Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gulle pour réaliser ce très joli chèche. Alors, un chèche, ce n'est pas un châle, c'est un espèce de tour de cou. Donc, c'est entre le châle et l'écharpe, on va dire. Et donc, celui que j'ai décidé de vous proposer, c'est celui avec les pointes en feuilles. Ici, nous avons notre point fantaisie feuille et nous avons nos jolies pointes ici. Donc, vous allez voir, il est très très simple à réaliser. Donc, comme je vous ai dit, un chèche, contrairement au châle, il est moins large. Il est très long, mais moins large qu'un châle. Donc, cette partie-là, c'est la partie la plus large et c'est la partie qui vient se mettre au niveau de notre cou, au niveau du devant. Et nous avons ici les pointes, comme ceci, pour venir attacher sur le devant. Donc, celui-ci fait 1,70 m de longueur à peu près. Donc, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident, comme c'est assez grand. Donc, on commence par ici et on tricote en faisant des augmentations et on arrive à peu près. Alors ça, moi je vais vous donner en centimètres la largeur que j'ai, à laquelle je me suis arrêtée. Mais vous, si vous désirez, vous pouvez le faire encore plus large. C'est-à-dire, vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais vous expliquer comment vous allez faire vos augmentations. Et une fois que vous avez la largeur que vous souhaitez, vous allez commencer à faire des diminutions de façon à former l'autre pointe comme ceci. Toujours donc notre point fantaisie qui se répète. Il se fait sur 14 rangs. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 simple. Alors moi j'ai dû repasser pour bien vous montrer. Donc là j'ai un peu trop écrasé. Donc si vous avez une laine qui contient de la laine, 100% laine ou 50% laine, vous pouvez aller avec votre fer à repasser sans aucun problème. Si vous utilisez de l'acrylique, donc évitez de trop écraser, après votre tricot, regardez, il ne sera pas très très beau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez un linge que vous posez sur la partie où nous avons notre point fantaisie et vous donnez un petit coup de vapeur de façon voilà, à ce qu'on voit bien votre point fantaisie, votre motif feuille. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé 150 g de laine, c'est-à-dire 3 pelotes de 50 g. Donc, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de laine pour réaliser ce très joli chèche. Il est donc très simple à réaliser. Tout dépend donc de la laine que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez prendre de la laine fine, de la laine plus épaisse. Donc, vous adaptez vos aiguilles à la laine que vous utilisez. Moi, ce sont des pelotes de 50 g qui font 140 mètres à peu près que j'ai tricotées avec des aiguilles numéro 4. Je vais vous expliquer donc comment le réaliser. Pas en totalité, mais je vais vous l'expliquer. Et vous allez pouvoir tricoter assez facilement. Donc, vous allez voir, c'est très très facile. Le point, c'est toujours répétitif. Donc, à la fin, vous allez même pouvoir le mémoriser. C'est vraiment très très facile. Alors, pour la réalisation, vous allez commencer avec 18 mailles. Alors, où est-ce qu'elles sont mes aiguilles? Elles sont là. Donc, peu importe les aiguilles que vous utilisez, ça peut être des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. Ça n'a absolument pas d'importance. Vous allez monter 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous montez 18 mailles. Maintenant, vous allez prendre des notes parce que vous allez répéter toujours ces 14 rangs. Donc, vous allez prendre des notes et vous allez voir que c'est très très simple. Donc, prévoyez un anneau marqueur. Nous allons. Alors, l'anneau marqueur, c'est pour limiter. Regardez.
cette partie, la partie au point mousse et la partie point fantaisie. Donc la partie où nous avons notre point mousse, donc vous allez placer un anneau marqueur, comme ça vous ne vous trompez pas une fois que vous êtes sur l'envers du travail. Et c'est la partie où nous allons faire nos augmentations. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est très très simple. Donc je confirme que même les débutantes peuvent réaliser ce chèche avec ce point fantaisie sans aucun problème. Donc je vais aller lentement et je vais vraiment essayer de vraiment bien vous expliquer. Donc ça, c'est la partie préparation. Vous avez monté vos 18 mailles et ces 18 mailles, nous allons les tricoter à l'endroit, à l'envers, excusez-moi, je commence bien. Vous les tricotez à l'envers. Donc là, vous ne marquez, vous, c'est pas nécessaire de noter, vous montez 18 mailles et vous faites un rang ainsi, donc à l'envers, et vos quatre dernières mailles, vous allez les tricoter à l'endroit. Vos quatre dernières mailles à l'endroit. Soit 14 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Alors, une fois que vous êtes sur l'endroit, nous sommes au rang numéro 1. Le rang numéro 1, c'est 4 mailles à l'endroit. Alors là, vous allez placer un anneau marqueur après ces 4 mailles. Moi, j'en ai pas pris avec moi, mais je vais en improviser un vite fait. Je vais récupérer une petite laine. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'anneau marqueur, vous prenez une laine de couleur contrastante, comme ceci. Regardez, autour de votre doigt, vous faites un cercle, hop, vous serrez bien. Et vous l'utilisez comme anneau marqueur. Alors, le rang numéro 1, 4 mailles à l'endroit, vous allez tricoter, donc il est un peu trop grand mon anneau marqueur, c'est pas grave, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, et je vérifie, 1, 2, donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire des surjets simples. Je glisse une maille sans tricoter que je fais passer par-dessus la deuxième maille. Un jeté. Je refais un surjet simple, donc je vais m'approcher. Un surjet simple, c'est, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et je fais passer la maille que j'ai glissée sans tricoter par-dessus la maille tricotée. Un jeté, un surjet simple, un jeté et je termine avec deux mailles à l'endroit. Je tourne. Le deuxième rang, je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Donc je vais vous réexpliquer le rang numéro 1. Donc nos 4 mailles à l'endroit, on place notre anneau marqueur. Vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble, donc un surjet simple, une maille, un jeté. Un surjet simple, un jeté,
un sur jet simple, un jeté, donc trois fois, et vous terminez avec deux mailles à l'endroit. Le deuxième rang, vous tricotez vos mailles. Donc, comme je vous l'ai dit, 17 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Le troisième rang, nous allons faire une augmentation. Non, pardon, excusez-moi. Le troisième rang, pas d'augmentation. On tricote 4 mailles à l'endroit, on glisse notre anneau marqueur. Nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté, deux mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, deux mailles à l'endroit. Et maintenant, je fais un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter et la maille glissée, je la fais passer par-dessus la maille que je tricote. Un jeté. Je prends une maille sans tricoter. Je tricote la maille qui suit et je fais passer la maille que j'ai glissée sans tricoter par-dessus la maille tricotée, un jeté, un surjet simple. Donc je vais aller lentement pour que vous puissiez voir. Un jeté et je termine avec deux mailles à l'endroit. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter 9 mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'envers. Donc vous allez avoir des augmentations. Vous, voilà, à chaque fois vos mailles, votre nombre de mailles va augmenter. Donc c'est normal. Pour éviter de compter, donc je vous dis jusqu'à l'anneau marqueur sur l'envers à l'envers, on glisse l'anneau marqueur et on tricote nos 4 dernières mailles à l'endroit. Le cinquième rang, nous sommes sur l'endroit. À notre cinquième rang, nous allons faire une augmentation. On tricote nos 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. Regardez, j'entoure comme ceci autour de mon doigt et je fais passer sur mon aiguille. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. Donc je tricote 5 mailles, je glisse l'anneau marqueur, 5 mailles à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Nous allons faire un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté et deux mailles à l'endroit. Donc vous voyez votre feuille ici commence à se former. Sur l'envers, jusqu'à l'anneau marqueur, je tricote mes mailles à l'envers. On glisse l'anneau marqueur et maintenant nous avons 5 mailles que nous allons tricoter à l'endroit.
C'est cette partie-là qui va permettre à notre chèche de s'élargir. Le septième rang, je suis sur l'endroit. Donc, mes 5 mailles jusqu'à l'anneau marqueur, donc à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Donc, un surjet simple. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble comme ceci. Regardez, je les prends comme ceci, mes mailles, les deux ensemble, une maille à l'endroit, et je continue donc un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté et deux mailles à l'endroit. Je tourne jusqu'à l'anneau marqueur, mes mailles à l'envers. Donc prenez bien en note ce que je vous dis parce que vous allez répéter toujours la même chose. Quand vous arrivez à l'anneau marqueur, vous glissez votre anneau marqueur et vous tricotez vos mailles à l'endroit. Pour l'instant, nous en avons 5. Le 9e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter nos 5 mailles à l'endroit, donc jusqu'à notre anneau marqueur. On glisse l'anneau marqueur et maintenant nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet simple. Donc on forme la pointe de notre feuille. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble comme ceci. Vous prenez votre aiguille par derrière et vous les prenez les deux ensemble. Une maille à l'endroit. Et maintenant, on fait un surjet simple, une maille à l'endroit. Un surjet simple, une maille à l'endroit. Un surjet simple, une maille à l'endroit. Donc trois fois. Un jeté. Alors, je crois que j'ai dit une bêtise. C'est un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté. Donc toujours la même chose. Et on termine avec deux mailles à l'endroit. Le 10e rang, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers ainsi que nos jetés, toutes nos mailles à l'envers. Jusqu'à notre anneau marqueur, bien sûr. On glisse l'anneau marqueur et on tricote nos mailles à l'endroit. Le 11e rang est notre deuxième rang d'augmentation. On tricote 5 mailles. Donc, on tricote nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur.
et on fait une augmentation. Donc nous avions 5 mailles, on entoure autour du doigt comme ceci et on fait passer la maille sur notre aiguille. On glisse là nos marqueurs et on va tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit et maintenant les 3 mailles qui suivent, nous allons les prendre ensemble. Comme ceci. Les 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit et on tricote notre série de 1 surjet simple, un jeté, 1 surjet simple, un jeté, 1 surjet simple, un jeté et on termine avec 2 mailles à l'endroit. Le 12e rang, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, c'est normal que vous ayez plus de mailles pour le côté où nous avons notre point fantaisie. C'est ce qui va nous permettre de former les pointes. On glisse là nos marqueurs et maintenant nous avons 6 mailles. Le 13e rang, nous allons tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. On tricote donc jusqu'à l'anneau marqueur, on glisse l'anneau marqueur et maintenant vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un surjet simple, un jeté. Un surjet simple, un jeté. Un surjet simple, un jeté et on termine maintenant avec 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que nous sommes sur l'envers, notre 14e rang, nous allons rabattre 6 mailles. Donc, je prends la première, je tricote la deuxième et par la méthode donc, du surjet simple, je fais passer la maille par-dessus la maille qui suit. Je tricote la maille qui suit et ma première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe mon fil face à moi et jusqu'à l'anneau marqueur, je tricote mes mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 6 mailles. Et nous avons terminé, regardez, notre première feuille. Donc vous devez vous trouver comme ceci.
Et maintenant, nous allons reprendre au rang numéro 3. Donc, je vais le refaire avec vous. On reprend au rang numéro 3. Nous allons tricoter nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Vous allez toujours répéter, donc du rang numéro 3 au rang numéro 14. Donc, je refais encore une fois avec vous. 4 mailles à l'endroit après l'anneau marqueur. 4 mailles à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. Un jeté. 1 maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. Un surjet simple. Un jeté. Un surjet simple. Un jeté. Un surjet simple, un jeté et on termine avec une, deux mailles à l'endroit. Je tourne le quatrième rang, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. L'anneau marqueur. Et je glisse l'anneau marqueur et mes mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit. J'ai mes notes ici. Donc, au cinquième rang, notre rang d'augmentation. Nous allons tricoter nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Une fois que nous sommes au niveau de l'anneau marqueur, on fait une augmentation. On tricote 5 mailles à l'endroit. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 1 maille à l'endroit. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté et on termine avec deux mailles à l'endroit. Sixième rang, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, je fais tout avec vous une deuxième fois pour que vous puissiez bien comprendre et bien pouvoir bien noter. Vous allez voir, c'est très très simple. Une fois que vous avez compris, vous avez à la rigueur même plus besoin de vos notes. Et c'est vraiment un plaisir à tricoter. Ça va trop vite. Ça avance assez vite, vous allez voir. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je tricote mes mailles à l'endroit. Le septième rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et maintenant nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, trois mailles à l'endroit, deux mailles ensemble comme ceci, une maille à l'endroit
Et on fait notre série de un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, et on termine avec deux mailles à l'endroit. Notre huitième rang, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles jusqu'à là, nos marqueurs à l'envers. Donc, je glisse là nos marqueurs et les mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Le neuvième rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à là nos marqueurs. On glisse là nos marqueurs et nous allons tricoter 7 mailles. 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet simple. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Une maille à l'endroit et notre série de 3 surjets simples et un jeté. Donc un surjet simple, un jeté et encore un surjet simple et un jeté, et on termine avec 2 mailles à l'endroit. Et enfin, regardez notre deuxième feuille. Dixième rang, donc jusqu'à là nos marqueurs, nos mailles à l'envers. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas vous ennuyer. Après, vous pouvez tricoter avec moi jusqu'à là, comme ça vous comprendrez bien le modèle. Je glisse là nos marqueurs et je tricote mes mailles à l'endroit. Le 11e rang, donc notre deuxième rang d'augmentation. Je tricote, donc je suis sur l'endroit, c'est le 11e rang. Et jusqu'à là nos marqueurs. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. On fait une augmentation. On glisse là nos marqueurs que j'ai fait trop grand. Et maintenant nous allons tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble. Donc ça c'est la pointe de notre feuille, 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, et on termine avec 2 mailles à l'endroit. Le 12e rang sur l'envers. Donc jusqu'à là nos marqueurs, nos mailles à l'envers.
Donc, une fois que je fais l'anneau-marqueur, je glisse mon anneau-marqueur et mes autres mailles, je les tricote à l'endroit. Je tourne le 13e rang en tricote. Donc, nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant je tricote 3 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, un surjet simple, un jeté. Un surjet simple, un jeté. Un surjet simple, un jeté. Et on termine avec 8 mailles à l'endroit. Huit mailles à l'endroit et sur l'envers nous allons rabattre nos 6 mailles. Une, donc par la méthode du surjet simple, une, deux, trois, 4, 5, donc on rabat 6 mailles et les autres mailles, nous les tricotons à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Et nous avons répété 2 fois. Donc maintenant, vous allez reprendre du rang numéro 3 au rang numéro 14 autant de fois que vous le souhaitez. Moi, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai 48 mailles de point mousse. Alors, je vais vous montrer ça. Je glisse et je tricote mes mailles à l'endroit. Voilà. Vous êtes normalement comme ceci et vous allez reprendre au rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 14 autant de fois que vous le souhaitez. C'est-à-dire, pour ma part, quand je suis arrivée ici à 48 mailles, donc j'ai ma... Ici, je sais précisément que c'est ici, je vais vous expliquer. 48 mailles j'ai. On a commencé avec 4 mailles de point mousse au début. Et ici, j'ai 48 mailles, ce qui fait que j'ai fait 44 augmentations. Donc pour moi, cette largeur, donc je vais vous donner en centimètres, me convient. Donc voilà. Ce qui représente à peu près 23 cm, sans compter le point fantaisie. Avec le point fantaisie, en allant jusqu'à la pointe, on est à peu près à 33 cm, sachant que moi, j'ai repassé cette partie-là. Donc, une fois que vous allez faire la largeur que vous souhaitez, vous pouvez très bien le faire plus petit, plus grand, c'est comme vous voulez. Vous allez, donc... Voilà, regardez, on part. On est parti d'ici ensemble, on a fait jusqu'à notre deuxième feuille et vous allez répéter ainsi et au fur et à mesure, regardez, ça s'élargit au niveau du point mousse. Regardez, ça s'élargit et une fois que vous arrivez donc à la largeur que vous souhaitez pour votre point mousse, vous pouvez mettre cette partie-là comme ceci au niveau de votre cou et vous pouvez voir si cette largeur vous convient. Une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, alors,
vous allez reprendre au rang numéro 3. Donc, une fois que vous avez obtenu la largeur que vous souhaitez, vous allez reprendre du rang numéro 3 au rang, donc on le voit bien ici, hein, au rang numéro 14. Et cette fois-ci, vous n'allez pas faire d'augmentation. C'est-à-dire, au rang, donc je ne vais pas vous embrouiller, vous faites du rang, à chaque fois, vous répétez du rang numéro 3 au rang numéro 14, donc en faisant vos augmentations. Une fois que vous avez obtenu la largeur qui vous convient, vous allez tricoter du rang numéro 3 au rang numéro 14 sans faire d'augmentation. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes au cinquième rang, vous ne faites pas d'augmentation, vous tricotez, vous respectez votre point fantaisie, vous arrivez au rang numéro 11, vous ne faites pas d'augmentation, vous respectez votre point fantaisie, et une fois que vous arrivez à votre rang numéro 14, vous allez passer aux diminutions. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire vos diminutions. Alors, on va supposer que vous avez tricoté. Alors, je vais vous dire, pour être plus simple, en nombre de feuilles. Combien de feuilles, moi, j'ai fait? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Donc, j'ai fait 23, 24 feuilles à peu près. Donc, 24 feuilles. Comme je vous ai dit, une fois que vous avez fait donc vos 24 feuilles, la longueur que vous souhaitez, vous tricotez du rang numéro 3 au rang numéro 14 sans faire les augmentations. Et une fois que vous avez fait, vous allez passer aux diminutions. Et je vais vous montrer comment on va faire les diminutions. Donc, on reprend. Vous avez terminé, vous êtes au rang numéro 14 et on reprend au rang numéro 3. On tricote nos mailles de bordure normalement. On tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une, deux mailles à l'endroit, et on tricote, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, et on termine avec deux mailles à l'endroit. Le rang numéro 4. Si vous êtes sur l'envers, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de mailles que moi. Là, c'est vraiment, je vous l'explique. On tricote jusqu'à... Alors, pour ce qui est du point fantaisie, on a toujours les mêmes nombres de mailles. C'est pour la partie point mousse que vous allez avoir beaucoup plus de mailles que moi. Parce que moi, je fais sur un petit exemple... On glisse donc notre anneau marqueur et on tricote nos mailles. Alors, le cinquième rang, nous sommes sur l'endroit et on va tricoter nos mailles de bordure. Donc normalement, cinquième rang, on faisait des augmentations. À partir de maintenant, au 5e et 11e rang, nous allons faire des diminutions. C'est-à-dire, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles avant votre anneau marqueur. Une fois qu'il vous reste 2 mailles sur la partie mousse ici, vous allez les prendre ensemble. Et vous avez fait votre diminution. Nous sommes en train de faire l'inverse de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. On glisse notre anneau marqueur et pour notre point fantaisie, rien ne change. 5 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles
Allant 3, 1 sur G simple, 1 jeté, 1 sur G simple, 1 jeté, 1 sur G simple, 1 jeté, et on termine avec nos deux mailles à l'endroit. Sixième rang, nous sommes sur l'envers. Donc jusqu'à l'anneau marqueur à l'envers, après l'anneau marqueur à l'endroit, excusez-moi, j'ai tendance à me répéter, je sais, c'est un peu embêtant, mais vous, donc comme je vous ai dit, après l'anneau marqueur, vous avez forcément beaucoup plus de mailles que moi. Voilà, et après l'anneau marqueur, donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le septième rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles normalement. Une, deux, trois, quatre, cinq. 6 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, donc 1 jeté, pardon, 1 sur G simple, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit, 1 sur G simple, 1 maille, 1 jeté, 1 sur G simple, 1 sur G simple, 1 jeté, 1 sur G simple, 1 jeté, 2 mailles à l'endroit. Huitième rang, 8e rang, toutes nos mailles. À l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Donc là, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Nous sommes sur l'envers. Après l'anneau marqueur, nos mailles à l'endroit. Neuvième rang. Nous sommes de nouveau sur l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 7 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. 1 jeté, 1 maille à l'endroit. 1 sur G simple, 1 maille à l'endroit. 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit. 1 sur G simple, 1 jeté. 1 sur G simple, 1 jeté, 1 sur G simple, 1 jeté, et on termine avec 2 mailles à l'endroit. Dixième rang, de nouveau sur l'envers. Donc jusqu'à l'anneau marqueur à l'envers.
Après là, nos marqueurs, on tricote nos mailles à l'endroit. Et nous sommes à notre 11e rang et je vous montre. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles avant votre anneau marqueur. Vous avez votre anneau marqueur, il vous reste 2 mailles juste avant et vous allez les prendre ensemble. Vous glissez votre anneau marqueur et vous allez tricoter vos mailles fantaisie normalement. Donc en ce qui concerne vos points fantaisie, rien ne change. Vous allez continuer donc ainsi, c'est-à-dire une fois que vous avez fait partie augmentation, vous allez faire la partie diminution, c'est-à-dire que quand vous arrivez au 5e rang, on vous demande d'augmenter et là vous allez diminuer. 11e rang, avant votre anneau marqueur, pareil, les 2 dernières mailles avant votre anneau marqueur ensemble. Jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles ici de point mousse. Exactement comme nous avions commencé notre chèche, c'est-à-dire nous avions commencé avec 4 mailles de point mousse et 14 mailles ici. Donc au total 18 mailles, mais pour les diminutions, on tient compte de nos 4 mailles ici. Donc vous allez tricoter et regarder, au fur et à mesure, en faisant vos diminutions, vous allez vous retrouver exactement comme vous avez fait au début, c'est-à-dire dans un sens, au début, quand vous augmentez, ça s'élargit, et dans la deuxième partie, quand vous diminuez, ça se rétrécit, regardez. Et une fois que vous avez vos 4 mailles, vous êtes à votre 14e rang de points fantaisie, vous tricotez. Donc, une fois que vous avez terminé, sur l'endroit, vous tricotez encore un rang à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez un rang à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous rabattez comme ceci et vous avez terminer votre chèche. Donc vous allez voir, c'est très très facile à réaliser, très simple. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça avance très très vite. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à le tricoter parce que moi j'en ai vraiment pris. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors moi qui tricote pas vite, contrairement à ce que vous pouvez croire, moi j'ai tendance à tricoter assez lentement. Ben là, je l'ai terminé. Moi, personnellement, une semaine, vous pouvez peut-être le faire en quelques jours. Donc, voilà notre chèche. Alors, j'espère que j'ai été à la hauteur au niveau des explications. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si vous n'avez pas compris dans la mesure du possible. J'essaierai de vous répondre et de vous aider. Donc, voilà les tricopines. Donc n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un prochain projet.